Et salut à tous, c'est Vince Ray, on se retrouve pour la suite de la map aventure Wandering. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir pour que vous compreniez l'histoire. Et sinon, je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc, on s'appelle Jack, on vient de rentrer de la journée de travail, on est un peu pas content et tout. Donc, on voulait aller se coucher, sauf que on a entendu des bruits de pas dans la cuisine, les plombs ont sauté, on est descendu dans la cave, mais en remontant cette porte en acier blindé s'est totalement refermée sur nous. Du coup, on est bloqué dans la cave et on a un bon gros bruit qui est pas très rassurant en bas. Donc, je suppose qu'on est obligé de passer en bas. Donc, c'est parti. En avant les bananes. Donc là, c'était... Donc, y a rien ici. Hein. Je suppose qu'il faut continuer dans les caves. Quand même, le seul mec à avoir des caves. Genre, des trucs, ça fait 2 km quoi. Pourquoi il y a une putain de porte ouverte là? Tu vas pas être fermé? Moi, ça m'encouragerait à rester calme. Alors. J'aime pas ça, putain. Je suis stressé comme garçon en plus. C'est absolument pas où je vais. C'est une putain de... Derrière toi. Oh putain, sa mère la pute. Y'a quoi derrière moi? Pourquoi je fais ça? Attends, je suis pas reparti dans le même endroit là. Par là. S'il te plaît. Je sais pas si c'est... Y'a des trucs quelque part là. Ah, on a trouvé le ketchup. Déjà ça. Non, là ça j'aime pas trop ça moi. Bon, on est obligé de toute façon, je pense. Que ça doit être par là du coup. Bon. Là, c'est le moment où on se pose un peu, tu vois. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. C'est quoi cet endroit? Oh putain, sa mère la pute. Ah mon dieu, je dois me cacher dans la salle où il y a les plombs. Vite, 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 on y va. On y va, on y va, on y va, on y va, vite. Est-ce que je peux courir? Je pense pas. Non, je peux pas courir. Oh. Cette musique. Cette musique. A été faite par un moine. Ah, c'est bon. Oh. Oh, my dieu. Oh, putain, c'est... C'était un cauchemar? Demande à Jack. Bon, on a de la lumière en tout cas. Bon, on a l'impression. On est retourné dans la maison, j'ai l'impression. Allez, go! Prépare un sandwich. C'est pas la maison en fait. C'est pas la maison. Bonjour. Personne. Bien le bonjour à vous. Ah, j'adore avoir des amis en tout cas. Bon, on va peut-être expliquer à l'architecte que les portes, c'est... Faut pas les mettre comme as, hein. Monsieur Propre? C'est toi, Monsieur Propre? C'est lui. Bon, il pleure un peu, tu vois. Il pleure un peu du sang, quoi. Ça va? Help. Je suppose que vous savez ce que c'est. Au pire, vous allez sur Google Trad, vous marquez ça, et ça veut dire aide. Voilà. Donc bref, en gros c'est aide-moi ou un truc comme ça, tu vois. Il veut de l'aide. Peut-être pas si méchant que ça en fait. On va bien voir. Bon. Ok. Ah, c'est le moment où ça se barre un peu en couille ou... Allez. C'est ma maison ça, hein. Mais à l'envers. Voilà. Allez, petite clé. On est reparti. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a là? Bonjour.
Quelqu'un, s'il vous plaît. Non, personne. Ah, non, personne, toujours. Là, j'avance, là. Là, j'avance. Non? Oh. Coco. Salut. Enchanté. Nouveau colocataire. Petite clé. Allez, let's go. Par là. Petit bureau. Ils sont tous sortis. Ils ont pris les armes. Un vrai carnage. 2 jours que je suis caché. Ils me cherchent. J'ai réussi à envoyer un message à mes supérieurs. J'espère qu'ils me sortiront d'ici. C'est bientôt Noël. J'avais promis à mes enfants que je serais là. Ils en mettent du temps. 4 petits points. Ils frappent à la porte. Je pense qu'ils m'ont trouvé. Finish. Yeah, motherfucker! Comment stopper quelqu'un? Oh mon dieu! Eh mais je vais pas résister longtemps hein, si c'est tout le temps ça. Hein. Je suis le chemin, hein, pour ceux qui se demandent. Allez! Où est-ce que ça va me mener? J'aimerais bien retourner chez moi. Prendre un petit chocolat. Chaud. Coucou. Très accueillante cette grotte. J'aime beaucoup. Je sais pas si c'est là qu'il faut que j'aille ou pas. C'est chiant, ils mettent des bruits alors qu'il n'y a rien. C'est subtil. Allez, continue, continue. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh putain, c'est quoi? Eh, c'est les mêmes trucs que dans Amnesia. Tu sais, c'est les. Il y a un passage dans Amnesia où t'es dans l'eau. Et genre, t'as des trucs qui sont dans l'eau qui te font super mal et tu dois courir de ouf. Et tu dois balancer des bouts de cadavres à l'autre bout pour pas qu'ils te chopent. Je sais pas où je dois aller là par contre. Je vais peut-être remonter par là, là. Ou alors j'en sais rien. Bref, en tout cas, je vais finir l'épisode ici. J'espère que ça vous a plu. Là, ça commence un peu à être concret, hein, clairement. Là, j'ai commencé à avoir quelques crises, mais ça va aller encore. Je m'accroche. Bon, du coup, on se retrouve dans l'épisode 3. Si vous aimez bien, laissez un pouce bleu, ça m'encourage vachement à continuer. Et laissez un commentaire si vous voulez quelque chose en plus ou quoi. Et sinon, enjaillez-vous bien et à plus. Allez, salut à tous.